Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instinct du Copeaux. Je suis très content de pouvoir enfin vous proposer cette vidéo car ça faisait très longtemps que je voulais traiter du sujet avec vous sur la chaîne. Alors vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, hein, je vais pas faire un blabla pendant 3 heures, hein, aujourd'hui on va parler d'air comprimé. Et pour cela je voudrais remercier mon nouveau partenaire ABAC qui m'a permis de me fournir en matériel et en information pour le sujet. Je suis d'autant plus content de travailler avec eux puisqu'il s'agit d'une société française qui fabrique des produits de très très bonne facture, voire même de qualité professionnelle pour la majorité d'organes. C'est d'ailleurs l'une des plus grosses sociétés dans le domaine, elle est présente dans plus de 120 pays à travers le monde, et possède d'ailleurs pas moins de 4 sites de production en Europe. C'est donc produit en Italie, hein, pas en Chine, hein, donc c'est plutôt bon signe. Donc voilà, c'est pas une petite boîte. Hein. Ils développent constamment leurs produits pour les rendre plus efficaces et plus fiables, ce qui joue en partie sur leur réputation. Et en plus de leurs nombreuses années d'expérience, ils sont connus pour être le numéro 1 sur le marché des compresseurs à piston. Et ils sont leaders dans bien d'autres des domaines. Hein. Alors ils travaillent essentiellement sur le secteur mécanique, mais vous allez voir que travailler avec des artisans du bois comme moi n'est pas forcément incohérent. Ils travaillent notamment avec le groupe PSA, Renault, sponsorisent des compétitions de motocross et même l'émission Top Gear. C'est sûrement mon émission préférée, hein, donc je suis pas un peu fier de bosser avec des gens qui travaillent aussi avec eux. Alors maintenant que je vous ai présenté un petit peu mon nouveau partenaire, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que l'air comprimé et à quoi ça sert? Alors l'air comprimé, hein, comme son appellation l'indique très clairement, est une réserve d'air en fait qui est maintenue sous pression dans une cuve. Cette cuve est régulièrement alimentée par le compresseur qui se trouve souvent au-dessus de celle-ci. Il suffit ensuite de se brancher à cette cuve pour alimenter un outil qui nécessite un flux d'air comprimé pour fonctionner. La pression de l'air se mesure en bar ou en PSI. Le PSI étant l'unité anglo-saxonne, et oui, encore une unité qu'ils utilisent et qui diffère du reste du monde. Un bar étant égal à environ 14,5 PSI. Mais les deux unités sont généralement indiquées sur le petit manomètre que vous avez sur tous les compresseurs, donc voilà, y a pas de souci à ce niveau-là. Alors comme je vous le disais juste avant, l'air comprimé peut servir à plein de choses dans un atelier. Et vous connaissez tous la fameuse clé à choc avec son fameux bruit si caractéristique. Et bien, cet outil est alimenté par de l'air comprimé. Alors bien sûr, une clé à choc dans un atelier à bois, ça n'a pas grand chose à y faire, hein, sauf éventuellement si vous êtes dans la charpente et que vous avez des gros tire-fonds à mettre dans vos poutres. Sinon voilà, on n'utilise pas tant que ça les grosses clés à choc qui servent normalement à visser les roues des voitures. Donc par contre, c'est beaucoup plus pertinent si on veut utiliser par exemple un pistolet à clou pneumatique, la fameuse soufflette pour souffler la poussière et les copeaux, le pistolet à peinture aussi, mais surtout, l'outil que j'ai découvert dernièrement et dont je ne peux plus me passer, le saint des saints dans un atelier à bois, la ponceuse pneumatique. D'ailleurs, parlons un petit peu des outils pneumatiques que j'utilise dans l'atelier. Et commençons d'abord parce qu'il est pour moi l'indispensable, la soufflette. Alors moi j'utilise une AZ 9040-4, ça se trouve pour une trentaine d'euros sur internet. Et c'est franchement un outil de super qualité. J'utilisais avant, comme beaucoup d'entre vous, sûrement une soufflette bon marché que j'avais acheté dans un brico merdo à 3 francs 6 sous. Test expression de vieux. Et j'avais toujours des soucis de fuite d'air, la poignée qui était tachée, enfin bref, c'était un enfer. Donc un jour j'en ai eu marre, hein, et j'ai décidé d'y mettre un petit peu le prix pour m'acheter quelque chose qui tenait un petit peu mieux la route. Et franchement, c'est devenu une contrainte en moins dans l'atelier. En plus, on peut la suspendre en mettant l'entrée d'air par en dessus, ou alors la laisser en dessous comme moi j'ai fait, hein, pour l'utiliser plus traditionnellement. Le petit caoutchouc qui est au bout de la perche permet de mieux cibler le flux d'air dans certaines situations. Bref, je recommande. Le deuxième outil dont je voudrais vous parler n'est pas forcément un indispensable pour moi, mais m'a été très pratique notamment quand j'ai dû faire ma cabine à peinture, dont toute l'armature est faite à partir de demi-chevrons. Il s'agit de la cloueuse pneumatique. Ça fait quelques années que je l'ai maintenant. C'est de la qualité chinoise, hein. Mais pour les 4 clous que j'ai à planter avec par an, franchement, ça a fait très bien le travail. Et puis comme je viens de vous le dire, hein, sans ça, pour fabriquer ma cabine à peinture, ben, j'aurais été quand même sacrément embêté. Hein. Ça reste un outil très cheap, hein, ça vaut une soixantaine d'euros en GSB. Touche-moi pas, wesh, laisse-moi dormir tranquille. Donc je le recommande pas spécialement. Hein. D'où tu me recommandes pas la calotte de tes illustres ancêtres. Un jour, je m'achèterai un outil un petit peu plus haut de gamme, mais comme j'en ai pas forcément spécialement l'utilité ces temps-ci, voilà, ça attendra un petit peu, hein. J'ai autre chose à faire mon argent. Et du coup, je me contente de celui-ci. Là, pour le coup, on va changer complètement de budget, puisqu'il va s'agir du pistolet à peinture que j'utilise. Donc c'est celui-là, c'est un pistolet Kremlin M22 GHPA. Donc voilà, encore une référence à coucher dehors. Ça coûte environ 300 euros, donc c'est un produit très haut de gamme. Et donc du coup, comme son nom ne l'indique pas, hein, c'est un Kremlin, mais ce n'est pas russe, c'est français. C'est d'ailleurs eux qui inventent la technologie pneumatique en 1925. Mais cette marque a tellement inventé et fait de choses qu'il faudrait presque que je lui consacre une vidéo à part entière. C'est super intéressant. C'est donc un pistolet très haut de gamme, comme je le disais, avec lequel on ne peut faire que du bon travail. Par contre, c'est extrêmement gourmand en air, voilà. Donc il faut un compresseur qui soit adapté à ça. J'y viendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et le dernier outil dont je voudrais vous parler, c'est devenu mon préféré dans l'atelier. Il s'agit de la ponceuse pneumatique. C'est un produit que mon partenaire Wurt m'a proposé de tester et honnêtement, j'ai pas été déçu du tout. Alors même si j'adore le matériel de mes amis de chez Bosch Professionnel, je dois vous avouer que depuis que j'ai testé ça, je ne veux plus toucher à ma ponceuse excentrique électrique. Y a pas moyen, ça c'est beaucoup plus léger, c'est plus maniable, ça fait moins de bruit, l'aspiration est plus optimale aussi, donc ça fait moins de poussière. C'est mieux sur tous les points, c'est juste qu'il faut un compresseur derrière, voilà. Bon, maintenant que j'en ai un, c'est pas un souci, mais ça, c'est une merveille, je crois. Franchement, un vrai bonheur à utiliser, ça tient à la paume de la main. Du coup, c'est vachement plus maniable pour pouvoir négocier notamment des courbes quand je fais les guitares, par exemple. C'est un vrai bonheur à utiliser.
honnêtement. Et d'ailleurs, je fais vraiment du meilleur travail depuis que je l'ai. Alors, c'est peut-être psychologique, vous me direz. En attendant, voilà, le résultat est là. Par contre, comme le pistolet, c'est extrêmement gourmand en air et ça m'amène donc au dernier point de la vidéo. Alors, après avoir discuté de mes besoins avec les gens de chez ABAC, ils ont pu déterminer que j'avais besoin d'un compresseur avec une cuve d'au moins 200 litres. D'après ce qu'ils ont pu m'expliquer aussi, l'efficacité d'un compresseur dépend surtout de la tête, donc du compresseur en lui-même, plutôt que de la cuve. La cuve n'étant qu'un réservoir, le compresseur qui est au-dessus, suivant la qualité de conception et fabrication, sera plus ou moins optimal pour les temps de rechargement, pour le flux d'air, tout ça. C'est un petit peu compliqué, je vous avoue que je n'ai pas tout compris, mais voilà, je sais que quand on choisit un compresseur, il ne faut pas simplement se fier à la capacité du réservoir, il faut aussi regarder la qualité du compresseur en lui-même, c'est-à-dire la tête qui est au-dessus. Il existe deux familles de compresseurs, les compresseurs à piston, comme le mien, et les compresseurs à vis, qui sont plutôt destinés à un usage industriel intensif. Mon compresseur est donc un compresseur à piston, et contrairement à ce que son apparence le laisse penser, il y a bien deux pistons à la tête et pas un. Il s'agit d'un modèle de la série Pro, le A49P. Il est tout nouveau dans leur gamme et il s'agit rien de moins que du compresseur le plus puissant du marché qui soit pas en triphasé. Il est censé être utilisable en chantier, d'où les 4 roulettes et l'énorme poignée qui l'équipent. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo, mais il est énorme, mais vraiment énorme. La finition est exemplaire, c'est d'ailleurs ce qui m'a beaucoup marqué au déballage. C'est de conception française et made in Italy, et franchement, ça respire la qualité. La taille des pièces, la qualité des plastiques. Ce compresseur risque franchement de survivre. Je l'ai donc branché à mon système de distribution d'air comprimé dans l'atelier, qui est simplement un kit que j'ai acheté sur internet. D'ailleurs, toutes les références que j'ai pu vous donner dans la vidéo sont disponibles dans la description de celle-ci. N'hésitez pas à aller voir, ne serait-ce que par curiosité. Vous le voyez aussi, mon compresseur se trouve à l'extérieur de l'atelier, à côté de la centrale d'aspiration des copeaux d'ailleurs, ce qui me libère énormément de place et m'épargne le bruit du compresseur quand il se recharge. Même s'il est plutôt étonnamment silencieux, hein. C'est aussi son point fort. J'ai donc plusieurs arrivées d'air dans l'atelier, une dans la cabine à peinture et encore deux dans l'atelier lui-même. Mon installation sera complétée un petit peu plus tard dans l'année et je vous en ferai bien évidemment part. Notamment sur Instagram où je poste de temps en temps des stories quand j'estime que c'est pertinent. Donc n'hésitez pas à aller me suivre si vous voulez voir ce qui se passe entre deux vidéos. Et n'hésitez pas aussi à aller voir leur Instagram à eux, ils ont d'ailleurs posté une ou deux photos que j'ai faites. L'air comprimé est donc une technologie qui mérite qu'on s'intéresse à elle. Elle apporte bien des avantages et un certain confort d'utilisation. Et pour avoir eu moi-même des petits compresseurs de merde quand j'ai commencé, c'est sincèrement un plaisir pour moi d'avoir une installation déjà discrète et puis surtout fiable. De l'air sur demande et en quantité suffisante, vraiment tout ce qu'on demande quoi. Je me rends compte que c'est vraiment pas un aspect à négliger dans un atelier si on veut faire vraiment du bon travail. Hein. Et en bonus, je peux refaire la pression des pneus sur ma voiture. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne et mon travail sur YouTube. Votre aide sera grandement appréciée. Merci. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de l'Instant des Copos. D'ici là, bricolez bien, faites attention à vos doigts. Salut !